Alors, un fou, c'est parti de l'idée, de l'envie, du désir, avec une fiction, on parlait des mensonges et du vide, de la parole politique, actuelle, du gouvernement actuel. Bien sûr aussi de ce que c'est que l'arbitraire du coup et une image du pas de démocratie. Et il y a une deuxième partie du livre qui du coup fait que, suscité par un personnage donc inventé dans la première partie, qui sert à dénoncer tout ça, au contraire, dans la deuxième partie, des personnes quelconques, comme on dit, s'emparent de la parole et du coup ont une parole pleine, vraie, etc. Donc c'est vraiment une espèce de petite mise en scène, on peut dire, d'une réflexion sur la parole en démocratie, la démocratie et aussi la non-démocratie possible. Et alors, en fait, ce qui m'a vraiment absolument étonnée, parce que j'y connais pas grand-chose, mais là, j'ai vu, à cause de ce qui se passe en Ukraine, de l'invasion par les Poutine de l'Ukraine, que le président Zelensky, qui était acteur avant de devenir président de la République, était dans une série qui avait vraiment beaucoup d'impact là-bas, qui est, alors c'est pas, je crois que c'est Serviteur du peuple, voilà, que je crois qu'on peut voir sur Arte, mais ça je suis pas sûre. En tous les cas, le thème c'est un professeur d'histoire géographique, quelqu'un d'assez voilà, simple, ordinaire, etc., devient président de la République parce qu'il a mis sur YouTube ou je ne sais où, bon voilà, une vidéo où il dénonce les oligarques russes. Donc c'est quand même assez extraordinaire que de remarquer une espèce de coïncidence, si on peut dire, de cette histoire. D'ailleurs, je crois qu'il a maintenu le nom Serviteur du peuple pour son parti politique. Et j'ai trouvé ça assez chouette. C'est-à-dire qu'on peut se dire que d'une certaine façon, même si évidemment ce n'était pas exactement comme ça à penser, c'est tout de même les pouvoirs, on peut le dire, de la fiction, de la littérature, et de la fiction générale. C'est-à-dire comment, disons, une invention peut avoir des conséquences vraiment intéressantes. Voilà. Donc ça, c'est un peu un fou. Alors l'histoire, c'est la narratrice est dans un train avec un petit-fils. Et voilà qu'il y a comme ça un jeune homme qui lit conversation avec elle et le petit garçon, fait des coloriages et déclare que, à part ça, parce qu'il colorie très bien, il est fou. Et le petit garçon ne comprend pas très bien et d'ailleurs il ne s'en explique pas plus que ça. Mais vraiment, c'est une très bonne relation. Et après, il retourne voir la narratrice et il lui dit qu'il a une idée, mais il n'explique pas du tout son idée, en fait. Et bon, après, ils sortent un peu, voilà, ils vont au jardin. Et quelques temps après, voilà qu'un personnage apparaît sur la scène politique française, enfin sur la scène plutôt, je devrais dire, pas encore politique, mais sur la scène française, qui est le président de la République qui va comme ça, à l'improviste, dans un collège et qui discute avec le professeur, avec les élèves qui se présentent, qui sont très contents. Bon, alors c'est tout de même formidable. Et ensuite, il va dans un lycée. Ensuite, encore après, à la Sorbonne, dans un cours de philosophie, sur Kant. Bon, à chaque fois, il dit des choses qui, sont pas, sont un peu, disons, décalées, déplacées. Mais enfin, c'est quand même formidable, ces visites, etc.
Bon, il continue, il en fait encore d'autres, il va aux Invalides, bon, etc. Et quand même, au bout d'un moment, l'Élysée trouve ça, qu'elle doit intervenir, et déclare que c'est un imposteur, qu'est-ce que c'est que ça, pas question, on va s'en occuper si ça continue. Enfin, ça ne va pas. Bon, alors, silence un peu dans la société, et puis, tout d'un coup, après, plusieurs personnes, alors on peut dire là encore, assez bon, quelconque, une jeune actrice, une dame qui est dans un supermarché, enfin, des personnages comme ça, un peu ordinaires, si on peut dire, un infirmier dans un hôpital, prennent du coup la parole, mais avec ce petit bémol, déguisé, on peut dire, ouvertement, en président, avec perruque, costume adapté, etc. Et parle de la culture, parle de l'hôpital, parle du marché, etc., etc. Bon, et bref, il y a un mouvement qui s'amplifie. Alors là, je raconte tout. Et bon, il y a des mouvements dans la société et ça devient vraiment quelque chose d'important. Bon, je crois que le côté, bon, ben, l'onde se propage. Bon, enfin, vraiment, c'est un peu ça, quoi. Le mouvement. Bon, alors là, disons le mot, c'est un espoir. Bon, c'est une envie, c'est un désir, mais pourquoi pas? Donc c'est une fiction qui, d'une certaine façon, au début est un peu, bon, sur un côté négatif, et là, ça devient, disons, en tous les cas, à mes yeux, très positif. Bon, jusqu'à ce que d'ailleurs, des petits-enfants se mettent à écrire sur les murs, bon, parce que ça les amuse, et peut-être aussi, après tout, c'est l'atmosphère générale, etc., parce qu'il y a création de toutes sortes d'associations, de groupes, et tout. Et, bien voilà, un petit enfant se met à écrire, je crois qu'il écrit « la cantine égale nulle », bon, N-U-L, donc faute d'orthographe, mais enfin bon. Et c'est repris, et tous les enfants se mettent à écrire, jusqu'à ce que un des enfants est pris par un policier et suspicion de terrorisme gardé au commissariat. Alors là, révolte absolue, fureur totale. Bon, hein, jusqu'à ce que, et ben voilà, la dernière phrase, je peux quand même la dire, on était dans un drôle de moment. Bon, donc c'est ça, c'est peut-être l'envie d'un drôle de moment qui deviendrait quoi? Bon, ben c'est la question. C'est-à-dire au moins, bon, disons que ce qui m'a vraiment plu en écrivant, c'était d'imaginer toutes sortes d'actions. Hein. Bon, entre-temps, je ne l'ai pas dit, mais il y avait évidemment la peur, donc du coup, il y avait création de groupes absolument affreux, fascisants, etc. Et contre ça, d'autres groupes, enfin bon, il y a toutes sortes d'événements qui se passent, mais je pense que c'est quelque chose qui, comment le dire, bon, ben, ça c'est comme ça que je le vois, qui sont potentiellement là. C'est-à-dire que c'est à la fois de la fiction, et moi je trouve que d'une certaine façon, évidemment c'est moi qui le fais, c'est réaliste, ça parle de la société de maintenant, et aussi de la société générale dans le monde. Enfin quand même on remarque, mais ça c'est pas un scoop et c'est pas moi qui l'invente, ce qu'on appelle une grande personnalisation du pouvoir, avec tout ce qui peut s'en suivre, et qui s'ensuit, c'est-à-dire arbitraire, corruption, etc. Bon, enfin ça, c'est en France, ce n'est pas qu'en France, etc., etc. Bon, voilà. Un état du monde. Réel et, bon, peut-être possible. On peut dire ça. C'est écrit d'une façon, comme une narration, avec éventuellement des petits bouts de dialogue, mais enfin c'est quand même... Bon, alors à part ça, quand le président prend la parole, il prend la parole, on lui répond. Ou quand d'autres prennent la parole, ils prennent la parole et on leur répond. Mais bon, c'est une narration avec des interruptions de dialogue, etc. Bon, je pense que à part ça, ça serait peut-être assez simple à mettre en scène, parce qu'il y a un côté, évidemment, où tout le monde est appelé à être assez théâtral. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois. Et ce qui m'a plu aussi, bon, c'est, il faut quand même le dire, c'est d'inventer des slogans. Par exemple, il y a un slogan
que d'un groupe d'extrême droite extrêmement inquiet, etc., qui est à Val-Angoisse. Bon, il faut quand même le dire. Du coup, il y a aussi des livres sur l'angoisse, la fausse bonne idée du XXe siècle. Bon, enfin, des choses comme ça qui, évidemment, n'ont pas existé. Personne n'a fait un mot d'ordre à Val-Angoisse, mais en même temps, il faut quand même le dire, ça dit quelque chose. C'est une condensation, il me semble, de ce qui peut être des peurs du changement, des peurs, et donc de groupes très, très réactionnaires. Bon, voilà. Bon. Et ça, je trouve ça, c'est vrai que ça me, comment dire, bah oui, ça me plaît, d'essayer de trouver ce genre de choses-là, bon, qui peut être amusant. Ou aussi des noms d'associations. Bon, il y a une association basket au Panthéon. Bon, évidemment, j'habite pas trop loin. Mais voilà, ça m'est venu comme ça parce que, bon, voilà, je trouve ça drôle. Voilà. Bon, il y a des choses, bon, quand même, bah, je sais pas, moins drôles, mais, enfin, comment dire. De toute façon, quand même, globalement, en ce moment, c'est pas absolument drôle. Hein. Bon, vraiment, quand même, pour parler de l'actualité, bon, une invasion d'un pays qui est quand même assez près. J'ai regardé en temps de train, d'avion, n'importe quoi. On est à côté, et pour les gens de là-bas, c'est terrible. Alors ça n'est pas d'aujourd'hui. Bon, la migration, la question des immigrés sur lequel tout le monde est complètement hypocrite. Je veux dire, quand c'était d'Afrique, les médias, disons, consensuels étaient beaucoup moins clairs que là, ils sont à fond pour les réfugiés ukrainiens, ce qui est extrêmement bien, attention, mais bon, ils auraient pu être aussi à fond pour les réfugiés africains. Enfin, ça, c'était une parenthèse, mais pour dire que, à part ça, la situation mondiale n'est pas drôle du tout. Bon, pas drôle. Mais bon, il y a différentes façons de s'y prendre. Bon, dans le livre précédent qui réunissait des textes, mais quand même plus ou moins de la même du temps actuel, il y a des textes qui sont pas dans une modalité, disons, un mood comique du tout. Bon, hein. Donc je crois que ça dépend. Qui est le fou dans cette histoire? Ah, merci Jean-Paul, parce que c'est vraiment... oui, c'est la question. Ben, Simon, au début, comme je l'ai lu, bon, on se présente comme fou. Il avait un traitement d'ailleurs, il allait voir une psy, et justement, sa fureur vient du fait qu'on lui a supprimé sa psy. Bon, il dit qu'il est fou, il disait que ça n'allait pas du tout, etc. Ça, c'est possible, hein, c'est même probable, puisqu'il allait voir une psy. Bon, mais il arrivait à en parler, etc. Mais évidemment, comme dit d'ailleurs l'infirmier, bon, c'est le monde semble être bien malade, c'est-à-dire le monde, probablement, dans l'idée de l'infirmier, là, est fou. Et fou, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement... fait les choses à l'envers de ce qu'on pourrait peut-être faire, et de ce qu'on pourrait peut-être faire avec les gens, et avec des choses qui seraient actives, positives par rapport aux gens, au lieu de leur, par exemple, asséner que la seule solution, là c'est pour l'hôpital, c'est de prendre des pilules, c'est vite fait, bien fait, et on n'a pas besoin d'un traitement plus long. Ben, ça finalement, ce que moi je pense, c'est que c'est fou. C'est que c'est vraiment fou, c'est-à-dire que c'est le contraire de ce qui serait, alors ce que j'appelle moi, normal, c'est-à-dire tout simplement, voyons-le, hein, humain, voilà, c'est ça. C'est-à-dire ce qui est fou, c'est ce qui va tout de même à l'encontre de ce qu'on pourrait souhaiter pour l'humanité, bon, comme chose humaine. Alors à part ça, du coup, ça se discute, comment, etc. Mais voilà, c'est un peu ça. Moi, je suis pas tellement pour la nostalgie. Je trouve que c'est parce que la nostalgie, malheureusement, revient souvent, il me semble, à ressasser des idées, bon, qui ont peut-être pas marché. Mais il me semble que c'est quand même toujours bien d'avoir du désir et du désir de changement. Alors, bien sûr, ça peut être un peu utopique, mais c'est pas tellement sûr. Par exemple, pour parler des fous.
Il y avait une clinique formidable qui s'appelait Laborde, qui a été, d'ailleurs qui existe toujours, hein, bon, mais que j'ai connue, et qui a été fondée après la guerre, et où vraiment l'idée était de mettre les gens qui avaient besoin d'un soin réel en psychiatrie, et bon, de leur donner des traitements, y compris très longs, psychanalytiques, etc. Bon. C'est-à-dire, ça, je crois, donc ça a existé, ça a marché pendant tout un temps, jusqu'à ce que, bon, voilà, pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, bon, ça ne marche plus comme ça. Mais c'est pas, je crois que ce n'est pas utopique de regarder des choses qui ont pu avoir lieu et qui ont été formidables, et d'espérer en refaire d'autres, ou les mêmes et autrement, etc. Utopique, ça voudrait dire que c'est vraiment impossible. Moi, je... Bon, alors, je ne crois pas. Je crois au possible.